Okay, so let us have a look at example 3 maintenant. Exemple 3. Alors voilà, exemple 3, répétez-nous comme ça que the mean of 9, negative 6, negative 5 and x is 2. So we have to find the value of x over here, and x is an unknown value in that given sequence. Okay, so let us note down the sequence over here. So the sequence is, alors voilà, c'est 9, négative 6, négative 5, et ensuite c'est x. Maintenant, pour ceux qui disent moi comme ça, mais qui fait pas les crédits là? C'est simplement parce que ça de là, il part en part of this distribution. L'indiano comme ça que the mean of 9, négative 6, négative 5, et ensuite x. Alors c'est ça 4 là sur mine qui donne nous deux vous autres. So basically over here, 2 is not part of this distribution. 2 is the mean of this distribution. Ok, so once again over here, la toute première chose, comment les mêmes questions l'ont mis, alors voilà, qui me disent les premières choses qu'ils ont bien pensé. So we think of the mean formula. What is mean formula over here? So the mean formula over here is, alors mon réécrit par ici, voilà, alors la formule c'est x dash is equal to summation of x upon n. So this is mean formula. Alors la première chose qu'on a une question l'on mean, nous écrit la formule. Okay, it's good for this one. So this is the formula which is x dash is equal to summation of x upon n. Deuxième chose qui m'ont enseigné. Alors voilà, extract information, rappelle bien tout le temps. You should always have in mind qu'il y en a trois ingrédients dedans. Once again, trois ingrédients c'est quoi? Premier ingrédient. Alors voilà, which makes up our formula is x dash. Second one is summation of x. Third one is n. Ok, it's good. Alors voilà, nous essayons de gagner maximum d'informations dedans. Ça veut dire que nous pouvons essayer de gagner un discours tant que possible. Nous gagnons maximum dans ces trois ingrédients. Par exemple, voilà, si nous gagnons x dash, nous gagnons n dans trois ingrédients. Si nous gagnons aussi pas le n, nous gagnons 2 dans trois ingrédients. Donc c'est ici qui m'a permis de dire ça par ici là. Ça veut dire tant que possible, voilà, nous avons trois ingrédients which compose our formula. Our formula is composed of these three ingredients over here. So let us find the maximum number of ingredients that you can find. Allez, premièrement, when you have a look at this one, for this sequence over here. Sequence là, c'est quoi? C'est 9, négative 6, négative 5, et ensuite x. Ok, it's good for this one. Allez, qui première chose nous va dire? Juste avec 9, négative 6, négative 5 avec x. Qui première chose nous capable? Qui, what is the first deduction we can make? First deduction we can make, c'est que, alors voilà, c'est que n égale à 4. Parce que dans sa sequence là, nous avons 4 termes, c'est 9, moins 6, moins 5 et x. Alors cela vous fait 1, 2, 3 et 4. So we have 4 terms in this distribution. Ça veut dire toujours nous avons un ingrédient. Très bien. Deuxième ingrédient maintenant, l'indiano comme ça que the mean de 9 moins 6, moins 5 et x. Alors voilà, vous pouvez faire référence avec la question. The mean of 9 moins 6 moins 5 et x, cela vous donne 2 comme valeur. Alors ça veut dire ça qu'il est peut dire nous, c'est que voilà. Ça qu'il est peut dire nous, c'est que the mean given is how much? The mean given is equal to 2. Alors voilà. L'indiano comme ça que the mean given is equal to 2. So it implies, the two d'accord que it implies que x dash is equal to 2. Parce que mean veut dire x dash. Ça veut dire x dash is equal to 2. Et comme on a trouvé tout à l'heure là que n égale à 4. Rappelle bien tout le temps. Moi pas des autres que les vous mangez donc. Tout 24 qui est là. Alors, ça qui vous explique tout ça, les bonnes questions, pas question ça. Mais vous trouvez que la plupart du temps, c'est très essentiel. Surtout quand on a un unknown, c'est très essentiel qu'il nous gagne the sum first of all. Gagne comment sa question là. Ne dire comme ça, vous ne connaissez pas comment faire sa question. Let us assume we don't know how to answer for this question. Alors, première technique, ou soit premier conseil qui me garde aux autres, go and find the sum. So, vous trouvez que sum, c'est vraiment une grande chose quand on peut travailler pour me. Finding the sum can really help you resolve many of the questions which you feel that you can't attempt. Alors, c'est mostly attempted, first of all, by primarily finding the mean first of all. Let us
find the, désolé, not the mean but the sum of all terms. Allez, let us find of all terms. Ça veut dire nous pas connaître comment faire question là. Nous pas connaître comment faire question là. But let us find the sum of all terms. Allez, qui formule on apprend pour sum of all terms? Allons voir la formule de sum of all terms. Is given by summation of x is equal to x dash multiplié par n. C'est ça que je apprends tout à l'heure. Sum of all terms is given by mean multiplié par number of terms. Allez, let us have a look at this one. What is x dash? C'est 2. What is number of terms? Voilà, x dash c'est 2. Nous disons tout à l'heure que mean niveau 2, number of terms. Quand nous comptons, il y a 4. Alors, number of terms c'est 4 ici. Alors, ça veut dire que summation of x est égal à 8. Maintenant, je vous dis moi comme ça. Allez, on dit nous comme ça, votre total. Allez, correct. On va dire, mais qui nous faire ça? Let us have a look at it. Qui fait moi bien insister, qui dans presque chaque question a le rôle mine là. Vous pas dire dans toutes les questions, vous pouvez dire dans presque chaque question, et il y a une grande chance surtout quand il y a un unknown. The unknown is x over here. Tout le temps qu'on se trouve, vous pouvez gagner un unknown. Alors voilà, premier tips, ou soit premier technique qu'ils sont capables d'énoncer vite, is to go and find the sum of all the terms. So we have sum of all the terms is equal to 8. Allez. Maintenant, have a look at this. Si je donne 1, 2 avec 3. I give you a sequence. Je donne 1, 2 avec 3. Je dis comme ça, voilà. Allez, find totalité. Retire totalité. Qu'est-ce que tu peux faire? 1 plus 2 plus 3. Vous êtes tout d'accord avec moi? C'est ça que tu peux faire. Allez, 1 plus 2 plus 3, si vous donnez nous 7. Summation of x égale à 7. Summation of x veut dire totalité de tout quatrième là, les deux nous 7. Comment nous faire pour 27? Comment nous faire pour 27 ici? Nous pouvons faire 1 plus 2 plus 3 qui est de nous 7. Ça veut dire en d'autres mots, comment nous faire pour la summation? Ça qui m'a permis d'expliquer de nous from this over here, qui m'a permis vraiment expliquer, c'est que pour nous gagner summation, you have to add all the terms in the sequence over here. Pareillement ici, mon fini gagner summation égale à 8. Qui m'a pas faire avec ça maintenant? Dis-moi je même, comment nous supposer faire pour gagner ça 8 là? Comment nous pouvons faire pour gagner ça 8 là? So it implies, pour nous gagner ça 8 là, ça veut dire que quand moi j'ajoute tout ça là, mais là ça tout à l'heure, besoin de faire moins 8. Vous avez bien ces idées là. Ça veut dire que quand moi j'ajoute ça 4 là ici, c'est ça qui besoin de moins un total de 8 là. So it implies que 9 plus moins 6 plus moins 5 plus x, il besoin de moins un total de, il besoin de moins un total de 8. Ok, it's good là. Mais voilà, this is what is going to enable you to solve x. Tout le temps que je vais montrer, dans presque toutes les classes, je vais montrer pour des petites formules, jusqu'à même à l'université, d'université, tout le temps, je vais finir par montrer les autres que, if you want to find x, x needs to be an equation. You can't solve for an unknown if it is not in an equation. If you do not involve x in an equation, you will never be able to solve for x. So the goal is, pourquoi est-ce qu'il y a un rôle totalité? Moi, un rôle totalité parce que à la fin, les premiers mois, un step code me pour involve x in an equation. Now, why is it important to involve x in an equation? Because as just stated over here, we involve x in an equation to be able to solve for x. If x is not in an equation, you can't solve for x. Okay, it's good. If it is not in an equation, you can't solve for it. As simple as this one. So basically, the first technique is, alors voilà, un rôle totalité. Les là voilà, nous avons dit, écoute, comment tu peux faire pour gagner la totalité là? If I give you this, comment tu peux faire tout à ça? Tu fais 9 plus moins 6 plus moins 5 plus x, voilà, c'est ça que nous pouvons faire. Alors c'est la même chose, totalité 9 plus moins 6 plus moins 5 plus x, mais combien nous avons besoin de? Nous avons nous comme ça, nous avons besoin de total de 8, cela veut dire que 9 plus moins 6 plus moins 5 plus x, il besoin de nous total de 8. Ok, c'est good for this one. Now upon solving, 9 plus moins 6, c'est 3. 3 plus moins 5, c'est négatif 2. Alors, négatif 2 plus x est égal à 8. Alors, 3 petits points veut dire therefore. Therefore, x est égal à 8. Alors, moins 2 pour venir plus 2. Alors, 8 plus 2 est égal à. Alors, 8 plus 2 est égal à 10. So, this is how you obtain for the value of. So, this is how you obtain for the correct value of x. Ok, it's good for this one. Alors, once again, we're going to chaque fois mobile les autres. La même chose. Pas oublier ça et n'a ça comme exemple 3. Alors, first thing, je copie la question là. Deuxième, you put this on pause, voilà. I'm just getting away from the video over here. So, you just put it on pause. Then, you analyze as many times as necessary. Absorb it as much as necessary. Prends tous les temps, on peut donner une journée en entier. Alors, vous êtes capable vraiment de prendre tous les temps, vous êtes capable vraiment de réfléchir la vidéo là, voilà. Réfléchir un petit peu là, tout ça qui m'a expliqué, vous êtes pas ici. Make sure que vraiment vous comprenez le tout, seconde par seconde, voilà. And then you just take it down.
Okay, it's good for this one. So basically now let us move to example 4. Exemple 4 dedans. Exemple 4 dedans, l'indienne comme ça que the mean of. Alors, je vais écrire. Sequence length, je peux pas ici. So, for example 4 maintenant, l'indienne comme ça que the mean of 7, virgule x, virgule 8, négatif 4, négatif 1 et aussi y. L'indienne comme ça que c'est 5. Ok, it's good for this one. Pareil, comment ça question là-bas là? Allez, premièrement, combien de questions? When the question is about mean, qui va nous montrer ce? Voilà qu'il y a 3 ingrédients. Et dans ces 3 ingrédients là, nous avons le maximum d'ingrédients possible. And when we have presence of unknown, alors ce qui est grande technique, je vous ai rappelé, is to find the sum first. Et une grande possibilité, by finding the sum first, it will enable you to solve for the unknown. Ok, it's good. Alors voilà. Let us see what is first information we can extract. Allez, réfléchis autre même. Qui première information se capable de tirer dedans? Fait comment dire? Nous prenons la question, là, nous l'avons juste à sequence. Qui nous capable lire? Qui nous capable vraiment tirer comme information? Total number of terms. If I give you this, alors voilà, n'importe qui dit, même les enfants primaires, alors voilà, les capables, dis-moi combien il y a dedans? Combien il y a dedans? Premier, deuxième, troisième. 4, 5 et 6. Ça veut dire en d'autres mots que the total number of terms is equal to 6. Voilà, le fini qu'il y a un ingrédient. Deuxième ingrédient, l'île de nous maintenant. L'île de nous comme ça que the mean of 7, virgule x, virgule 8, virgule moins 4, virgule moins 1 et y c'est 5. Ça veut dire ça que l'île de nous comme ça que, so basically over here, what is stated, what is given to you, you're given that the mean. Voilà, given mean is equal to 5. Given the mean is equal to 5. So it implies the mean is denoted by x dash. So it implies that x dash is equal to 5. Deuxième ingrédient. Premier ingrédient, on gagne n est égal à 6. Deuxième ingrédient, on gagne x dash égal à 5. Ok, it's good. Allez, do we have presence of unknown? Est-ce qu'il y en a unknown dedans? Oui, on a deux unknown, x et y. Qui technique qui m'en donne d'autres? First of all, find their sum. I wrote the sum of the distribution over here. And what is the formula? What is formula which governs for sum? The formula which governs for sum is summation of x is equal to x dash multiplied by number of terms. Okay, it's good for this one. Now let us have a look at it. Allez, x dash c'est combien? C'est 5. Number of terms, 6. Cela vous donne combien? Cela vous donne 30. Ça veut dire en d'autres mots que summation of x égale à 30. Et summation of x, qu'était ça, ça? Summation of x means the sum of all the terms in that sequence. Ça veut dire en d'autres mots, voilà, si nous mettons en littérature, cela veut dire que sum of all the terms, cela veut dire que sum of all the terms est égal à 30. Allez. Now, what are the terms? These are the terms. Ça veut dire en d'autres mots. Cela veut dire que mon prend 7, mon plus x, mon plus 8, mon plus négatif 4, mon plus négatif 1 et mon plus y. Alors, si bien, fais-moi un total de 30. Ok, it's good for this one. Oui, fais-moi un total de 30. Alors, c'est pas de difficulté pour cette partie-là. Ok. Let us add what is possible to be added. Alors, get par exemple, 7 n'est pas capable d'ajouter x, mais 7 n'est pas ajouter avec 8, cela vous donne 15. 15 plus moins 4, c'est 15 moins 4, c'est 11. 11 plus moins 1, c'est 11 moins 1, c'est 10. Alors, en termes de valeur, 7 n'est pas ajouter 8, 8 n'est pas ajouter moins 4, moins 4. Alors, si vous ajoutez avec moins 1, alors, ce moins 1 fait tombe d'accord et donne-nous 10. Maintenant, nous reste aussi du ban unknown plus x et plus y qui est égal à combien? Qui est égal à 30. Maintenant, voilà, cela veut dire quoi? Cela veut dire que x plus y est égal à 30. Maintenant, plus 10 qui vous venez là-bas. Plus 10 pour venir moins 10. Alors, x plus y est égal à 20. Maintenant, nous avons un coup de la question même, c'est quoi? La question, c'est, l'Iban dit à nous, what is x plus y? X plus y is equal to 20. X plus y, qu'était ça?
The sum of x and y, the tout d'abord x plus y is the sum of x and is the sum of x and y. Ok, it's good. Mais c'est pas ça qu'il me demandait. La question c'est pas find the sum of x and y. La question c'est find the mean of x and y. Now, basically, pour ceux d'entre vous qui peut penser, it's good that you're thinking about it. This is the sum of x and y. Bon, révine l'eau sa partie là, laisse-moi maintenir en vert vous autres. Si je donne zone de numéro 1, je donne zone de numéro 3, et je donne zone de numéro 10. Ok, it's good. Allez, fais ce mine pour moi. 1, 3 avec 10. Fais mine de 1, 3 avec 10. Qu'est-ce que tu peux faire? Je peux faire 1 plus 3, c'est 4. 4 plus 10, 14. Ça veut dire comment je peux faire ça sur mine? Je peux faire 14, ça veut dire ce total divisé par la quantité qu'il y a. Comment je vais apprendre à faire mine? C'est totalité divisé par la quantité qu'il y a. Totalité, comment faire 1 plus 3 plus 10, 14. Divisé par la totalité qu'il y a, c'est combien? How many terms do we have? C'est 3. Alors je peux faire 14 sur 3 comme réponse. Je suis tout d'accord avec moi. Mais pas vraiment ici, vous autres. La même chose. If you have to find the mean of x and y. If you have to find the mean of x and y. Pareil comme pour tout à l'heure, 1, 3 avec 10. Je vais ajouter tous les 3. Après, je divise par 3. Pas vraiment ici. For you to find the mean of x and y, what are you going to do? Je vais bien prendre x plus y. Divisé par la totalité. La totalité, c'est combien? C'est 2. Now, let me get back again on this one over here. Pour ceux qui parlent comprendre, let us have a look at it. Jusqu'à ici, j'en suis sûr que vous avez compris que x plus y est égal à 20. This is fine for all of you. Comment est-ce que tu peux faire pour find mean of x and y? Comment est-ce que tu peux faire pour find mean of x and y? Si mon rédit à zot encore une coude, si mon donne zot 1, 3 avec 10, comment est-ce que tu peux faire pour gagner ce mean? Donc, on prend 1 plus 3 plus 10. Divisé par la totalité qui vous donne 3 chiffres. La même chose ici pour x avec y. Comment je peux faire pour une mine de x avec y? Je peux prendre x plus y divisé par la totalité qu'il y a. Combien il y a comme totalité? Alors, ce qui est bien, pour ceux qui vous disent à moi, mais monsieur, il y a 6 là-dedans, mais divise par des. Non, vous autres, il peut dire nous mine of x and y. X and y make up as 2 numbers. X avec y, c'est 2 chiffres. Alors, ce que tu peux faire pour find mean of x and y. Alors, tu peux ajouter x avec y au total. Voilà, ça veut dire que tu es represented by x plus y divisé par la totalité de chiffres qu'il y en a. Combien de chiffres il y en a? Il y en a 2 chiffres par ici. X avec y makes up to 2 numbers. Alors, voilà, nous divise par 2 ici. Fais comment dire, moi, nous autres, nous avons une question. Moi, nous avons find the mean of ABCDE. Find mean of ABCDE. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, on a A, moi, on a B, moi, on a C, moi, on a D, moi, on a E. Ok, it's good for this one. How would you find the mean of A, B, C, D, and E? Moi, pour prendre A, moi, pour plus B, moi, pour plus C, moi, pour plus D, moi, pour plus E. Divisé par combien? A, B, C, D, E, comment faisons-nous ça? A, B, C, D, E. Faisons-nous 5. Ça veut dire que je prends A plus B plus C plus D plus E. Divisé par totalité, c'est 5. La même chose ici, si ils font mean of X and Y. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous faites pour ici? You're going to add X plus Y. And then you divide by the total number of terms, which is 2. Ok, it's good. Maintenant, x plus y, cela vous donne combien? Cela vous donne 20. Divisé par combien? Divisé par 2. Alors, cela vous donne 10 comme réponse. So, this is for the mean of x and y. Ok, it's clear for this one. Alors, voilà. For any questions, alors, voilà. Once again, you upload every question over here. Get bien. Mon écran, je vais mettre n'importe quelle question. Mon palais, je ne mets aucune question en écrit. Parce que voilà, je ne pas vous vraiment connaître crédit. Get bien, this is ex-algébraïque. Et il y a une grande chance que quand je me pose la question, je suis capable de confuser les autres dans un groupe. Alors voilà, je suis capable de poser moi n'importe quelle question pour moi se connaître tout le temps. En quel moment j'avais moins en colère. Quand les élèves me posent moi N60 questions. Les questions, ça n'est pas quelque chose qui est un problème pour moi. Mais c'est juste que I request all of you. If you have any questions, premièrement, je mets toutes les questions, le groupe là-même, et non pas votre message, moi, personnellement. Unless it's really something that is personal, you want to message me, etc., etc., then it's fine. Mais pour toutes les questions related to these videos, vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, alors voilà, je mets toutes les bonnes questions, alors voilà, le groupe chat là-même, et non pas je t'envoie moi, personnellement, ça c'est un.
Deuxièmement, maintenant, quand je vais poser moi-même question là, je ne vais pas écrire un message comme vous pouvez dire à parce que ce sera difficile pour vous même de t'exprimer par un message. Alors, surtout, vous ne connaissez pas même comment vous pouvez finir par écrire ça. Alors, what I want you to do over here, alors, je vais juste là pour voir si vous moi la question. Faire comment dire par exemple, je ne vais pas le récit comprendre. Et nous dire comme ça, comment tu expliques ça. Alors, nous dire en tout, vous ne pas connaître comme il est dans les trois vidéos là, vous vous avez vérifié moi-même. Nous dire comme ça, le premier minute. Alors, nous dire comme ça, le premier minute, on arrive là. Maintenant, pour ceux qui veulent comprendre, comment ça me change entre x égale à 8, je n'ai qu'un pour voice record, voilà, je prends ce portable. Et monsieur, s'il vous plaît, dans vidéo numéro 2, vous pouvez comprendre en 1 minute. Alors, comment on ça me change x égale à 8? Là, ce que je vais faire, I'm going to reply you. Alors, voilà, toujours pour une vidéo recording. Ok, it's good for this one. I hope it is fine for all of you. Vous êtes peine à vous hésiter, vous peine à vous caster. Alors, comment je peux parler dans une vidéo, je peux faire une vidéo en termes de questions, ou soit je peux voice recordly. We don't care about all of these. Ok, it's good, close with us. Non, n'y est pas important là. Alors, voilà, even if, however, you saw it's not a problem. What matters over here is the sharing of information. L'information, est-ce qu'elle peut passer clair? C'est ça qui tient. Alors, rien plus que ça n'est important là. It's to make you understand this. Je pose moi les questions que je peux avoir un problème. We don't care about any other students. Je peux pas caster avec les autres élèves. Qui peut penser le mot la voix? Qui peut penser comment me parler? Donc, je peux pas caster avec tout ça là. Voilà. Chacun fait lui, chacun pour soi, comment me dire. Ok, it's good. No need to bother about your friends. Ok, it's good on this one. So, all questions are welcome. Juste quand je donne moi cette bonne question, pas oublier, je dis à moi pour qui vidéo premièrement. Et je aussi dis à moi le qui minute, le qui seconde. Et je dis à moi qui je peux comprendre. I'm going to respond back to you. Mais vous donnez un lieu avec un jour spécifique juste pour vous poser moi cette bonne question. Là, premièrement, prends une la journée nette. Fini mettre tout dans le cahier. Alors voilà. Non, pas juste mettre tout dans le cahier. Hein. Mais je trouve que quand je vais mettre dans le cahier, je ne comprends pas. Quand je ne comprends pas là, pas besoin de continuer à mettre dans le cahier. Fini pose-moi cette question avant parce que sa vidéo est collée. Mais je vais vous couper la même. Demain après demain, je vais arrêter de tourner ce continue copie. Mais je trouve first of all que le tout est bien compris pour ici. Je vais rendre tous les détails maximum moi-même, juste pour nous capables un petit peu de questions que possible, pour comme ça, je vais avoir moins confusion. But I know that at least going to be. Je connais pour avoir pas mal de questions pour moi-même, and it's fine for me. Ok, it's good to just voice record all your questions. Do not message your questions. Voice record your questions. Ok, it's good for this one. Allez, vous mettez exemple 5 maintenant.